Ici avec question gaz qui vend dans la rue, dans le galon, dans le groupe. Et nous remercions pour ça parce que nous accompagnons nous dans le travail. Et nous fait qu'on est aujourd'hui, comme le parquet a été annoncé déjà, semaine qui s'est passée, mise en garde que nous avons avec tout le monde, nous jouons qui vend gaz dans la rue. Cap vendre, cap serrer gaz, quel que soit côté lié, automatiquement parquet à l'informer de situation ça. Nous gagnons de monde n'a créé de filature et pour joindre tout le monde cap acheter gaz dans pont, à serrer quelque part. Et nous qui danger ça a gagné avec un pile pour cap bouler passer par là. Et parquet a déterminé depuis jeudi jusqu'à moi ça, moi octobre là. N'a commencé à chercher tout le monde qui a vendu gaz dans le galon et qui a créé problème. Nous avons compris que aujourd'hui, il y a une pile machine, moteur à craser. Il est obligé de se remettre concessionnaire ou bien garage machine parce que gaz qui a vendu dans la rue, soit mélangé. Et danger qui gagne lorsque si on dit fait prendre et comment dégager au palier. Et aujourd'hui, nous déterminer pour ça. Nous travaillons de concert avec tout parquet et toute la police aussi qui accompagne nous dans le travail ça pour nous mener bataille ça jusqu'à ce que nous éradiquer question vendre gaz dans la rue et nous avons un signal clair avec tout l'autre collègue nous qui dans l'autre juridiction à nous faire travail là de façon à ce que pour pays à lui-même nous connaissons l'autre image nous avons l'autre image par rapport avec l'image qu'a projeté aujourd'hui et nous remercions nous comme nous ne pouvons pas aller trop loin. Et n'a toujours continué et la presse a toujours invité à chaque fois à faire intervention sur ça. Merci beaucoup. Est-ce que mon bilan pour l'opération aujourd'hui? Bon, c'est mon bilan parce que vous avez constaté par rapport avec les machines que nous prenons, qui a pile galon là-dedans, il y a des machines nous rencontrer qui ont fait vers le sud, et tandis que vous dites que c'est vers le nord pour aller. Et nous profiter Kembe aussi, nous faisons aider nous mener la bataille là pendant que nous avons ramassé les galons de tous côtés et permettre à ce que nous puissions constater de Yoa d'après qui valait les galons, gaz qui valait et sans ce qui est de façon à ce que le travail là lui-même nous trouvait que nous avons commencé et nous n'avons pas campé sous le travail. Ça. Pas d'arrestation qui fait aujourd'hui? Non, nous n'avons pas fait arrestation. Pour qui ça n'a pas fait arrestation? Parce que, avis que nous avons débattu avec tout le monde qui a vendu gaz. Mais automatiquement, il y a une persistance dans ça. Parquet après l'agir avec pigan, avec rigueur possible. Son travail va vous suivre? On travaille qui va jamais finir. 1, 2, 3, 4, qui sanction? Sanction lorsque nous interpellons Mounsayo et la loi après le dit, mais qui ça pour nous faire avec Mounsayo? Bon, pour moi, je pense que nous saisir à peu près 45 à 50 gallons. Et qui nous a donné pour nous toucher cette fois? Bon, nous ne pouvons pas avoir une stratégie ça. Ok? À ce moment, c'est ça qui fait la paix en mise en garde aussi. Avec mon cap vend gaz. Avec mon cap vend gaz dans la pompe. Et nous allons réunir avec mon qui sont ses propriétaires de la pompe. Et puis pour nous faire des injonctions. Quel que soit pompiste, yo est cap pratiquer 11 ans de bagaille comme ça. Pour yo râler les oreilles, yo. Automatiquement par les oreilles, yo. Si on prend des décisions, après telle décision que de droit. Et merci. 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 Premier ministre, Dr. Ariel, nous signons un accord Bali, nous-mêmes étant que dirigeants politiques, nous signons un accord par le Premier ministre Ariel. L'accord nous signons par le Premier ministre Ariel là. Premier ministre Ariel a une volonté pour pays à marcher bien. Premier ministre Ariel ben nous garantit, pendant le Premier ministre, pas de droit de monde en prison pour opinion publique. Pas de droit de prisonniers politiques. Premier ministre Ariel dit nous, il y a une sécurité nationale pour tout le monde marcher libre en dans le pays. Premier ministre Ariel dit nous, pas de exilé politique encore. Et nous dit nous-mêmes, étant que signataire, accord primatia, nous-mêmes, nous avons couru Premier ministre Ariel parce que nous avons une volonté, une détermination et Premier ministre Ariel ne va pas tirer le code à personne.
Premier ministre Ariel va venir tirer pour toi à personne. Premier ministre, il a besoin pour pays à marcher libre, pour pays à marcher, pour tout le monde marcher libre dans le pays. Nous-mêmes, nous sommes en tant que signataires accord primatia, nous avons couru le Premier ministre jusqu'à ce que le Premier ministre fasse élection en le pays pour lui remettre un gouvernement légitime. PIA pour le diriger et puis nous-mêmes, nous avons fait bac, nous avons pris l'école. On va avancer, Premier ministre, à la place de poser une question de la justice parce que non, c'était dans l'assassinat de ce président Jovenel Moïse. Pas de monde qui est au-dessus de la loi. C'est Jean, commissaire gouvernement, qui a fait là. Et m'a prédit encore. Commissaire gouvernement, Bedford Claude, t'a prédit des bagages personnels. Bedford Claude, t'a fait boss. Il t'a fait boss, il plaisir. Et si nous avons une enquête, nous-mêmes, comme journalistes enquêteurs, nous avons une enquête pendant Bedford Claude, le commissaire gouvernement, là, il a pris les bagages, il a un boss qui est en presse là. Il a cherché qui est, et puis il a vu qui est. Bedford Claude n'a pas fait justice. Bedford Claude a pris les bagages, on a un club pour boss. Il a cherché maintenant enquête n'a pas qui est ce qui est boss. Qui est boss? Quoi, il va me couper son journaliste enquêteur. Moi, justement, je voulais préciser pour l'opinion publique, tout accord, que l'accord de Mariotte, que l'accord de Montana, qu'il s'agisse de l'accord du Premier ministre ou tout autre accord, il y a une seule vocation, c'est la prise du pouvoir. Mais maintenant, ce qu'il faut comprendre, le pouvoir en place avec le président assassiné Jovenel Moïse, clair, depuis le président Jovenel Moïse, il a dit des bagailles qu'il n'a pas fait, alors que l'opposition t'a demandé des bagailles qu'il n'a pas besoin. Parce que le président Jovenel n'est pas là, nous voyons que le pays n'a pas qu'à l'éduquer. C'est parce que l'opposition t'a demandé, il n'y a pas besoin. Donc nous-mêmes, nous clairs, à l'intérieur de dynamique organisationnelle, vision pays, nous disons accord qui pour rassembler tout peuple-là. Et l'intérêt, c'est accord qui pour sortir en bas. Ce n'est pas l'accord de Montana, ni l'accord de Mariotte, parce que c'est mon soulier là. Mon sans soulier, il sorti sous le soleil, il sorti Matissan, il sorti télescope, il sorti par le bas. Nous clairement dit que cet accord que nous avons fait promotion, nous avons présenté le 28 juillet dernier à l'ambassade américaine, qui avait recommandé ce dossier à l'attention du Premier ministre. Publié le 12 août dernier dans les colonnes du Nouvelliste. N'a dit Premier ministre comme ça. L'idée m'a fait toute looping la paix, il n'a pas besoin de jouer la paix en pays ça. C'est Jacques Lexantus, le prophète qui parle, il n'a pas besoin d'un accord parce que l'accord par lieu, c'est faux accord qui gagne la classe dominante, qui gagne Bill Clinton, qui gagne tout dilapidateur pétro-caribé qui a fait corps avec elle, il n'a pas besoin de solution. Donc, comme il prend accord ça, il publie le 12 août dernier dans les colonnes du Nouvelliste, c'est cet accord que nous avons proposé et que tout le monde dans la société a gagné accord ça parce que c'est fait objet de débat dans les assises de la nonciature apostolique. Sénateur Lambert est là, et Paul Denis est là, Emmanuel Ménard, toute l'opposition confondue est là. Donc, nous demandons au Premier ministre, s'il veut se joindre, il y a une voie de sortie, c'est de façon spirituelle. Nous cherchons, lui-même cherchons nous tous, pour nous expliquer l'esprit de l'accord du 11 août dernier que lui-même il avait publié dans les colonnes du Nouvelliste. Donc, c'est l'accord, c'est l'accord peuple, c'est lui qui a fait route pour le cas jeune. Premier ministre, mandat a fini 7 février 2022. Ça, c'est la parole spirituelle qui concourit avec le mandat de Jovenel Moïse. Songez, le propre mouvement qu'elle, 7 février 2022, sont qu'arrivé là qu'on est que. Où il vient dans Boutou parce que mandat Jovenel là, spirituellement la fini, 7 février 2022, préparez-vous avec un accord qui sortit dans la racine du peuple là, et pas l'accord de Montana, non, c'est la classe dominante, c'est les oligarques qui planifient, qui gagnent plusieurs espaces que ont besoin de renouveler. La point des peuples là, nous pouvons marcher pour la paix, c'est ce mouvement spirituel là, marcher pour la paix. Nous pouvons marcher pour la paix parce que moi, j'ai rencontré les groupes armés, mais clairement, rencontrer. Donc, comment se rencontrer, on continue à rencontrer parce que un accord sérieux qui doit prendre en compte
même les groupes armés, je ne dis pas bandit, les groupes armés, c'est clairement, c'est cet accord qui a triomphé. Donc c'est marcher pour la paix, nous disons appel à tout le monde, tout le monde qui a des âmes, on compte Jean-Jacques Lexantus, parce que accord ça c'est pour nous. Même là qui te vole comme Petro-Caribe, en haut, prend accord ça, parce que nous parlons d'une amnistie général, qui doit être accompagné du procès civil et qui doit donner le résultat qu'il faut pour le pays et la nation tout entière. Merci. Okay.